Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites d'aventure sur Freeman Guerilla Warfare. Le chargement qui est un petit peu plus long que prévu. Okay. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est donner une armée à Yevgen. Voilà. Bon, donc, on peut le... Bah voilà, c'est ça. On peut le... Alors, je vais y arriver. J'ai vu un tips pendant les écrans de chargement. En fait, quand vous nommez un général, il va s'occuper lui-même de recruter ses troupes. Je ne sais pas si ça va fonctionner en tant que garde. Ce qu'on va faire, on va le mettre en tant que maire d'une ville, donc Zalaniv, bien sûr. Je misclique. Bien lui le maire. Pourquoi c'est rouge? Ah, c'est rouge parce que je ne peux plus gérer en fait. Non, ce qu'il faudrait qu'on arrive à savoir, c'est s'il va s'occuper de gérer les garnisons. C'est ce qui m'intéresse. Donc on va aller au bar, bartender. On va lui laisser 24 heures. Où je paye mes hommes. 4400. Putain. Ma faction vient de perdre 20 000 balles. Ouais, il a recruté des hommes. Il a recruté 10 hommes, ça nous a coûté 20 000 balles. Ouais, c'est ça, c'est l'argent, l'argent de la faction. J'espère qu'il va bien gérer, par contre. Mais on va le laisser bosser. Nous, on va aller faire notre petite... On va aller faire notre petite... aventure. Alors, le bas. Alors, dis-moi. C'est franchement des missions de merde. Bah, c'est un peu con en fait parce que je vais de toute façon les péter donc ça me fera quand même 2000 balles de gagner. Alors, on y retourne. En garnison, il a mis quoi du coup? N'importe quoi. Pourquoi je suis revenu là, moi? Ah oui, pour une quête. Ça m'inquiète. Regarde, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de thunes. Bon. Mission board. On y retourne. Par contre, va falloir. Attends, il y a du son ou pas? Hold your position. Tiens, c'est ouais, d'accord. Je me rends compte seulement maintenant que l'ambiance sonore est un peu pauvre. Il faudrait que je trouve de la musique, mais c'est toujours pareil, il me faut de la free DRM, c'est chiant. Bon, elle commence à avoir de la gueule notre armée, non? Il faudrait juste que je trouve un...
Un uniforme pour tout le monde. Va falloir te calmer, toi. Hein. Move out. Ok, 4392, un petit peu de matériel. Y'a pas d'iron. Bien. Alors, on va mettre deux. Deux escouades là-dedans. Celle-là, on la fout là. Et celle-là. Ok. Ouais, évidemment, je vais me rendre en plein milieu, histoire de m'en prendre plein le cul. On va se faire un petit coup de medikit avant d'y aller quand même. Hein, c'est pas que... Mais quand même. On n'est pas là que pour déconner. Vu. Ok, on en a couché un à 3 km. Oh, c'était bon là pourtant. Un peu d'anticipation. Des plus près, j'ai l'impression. Ouais, il y en a sur le milieu là. Il y en a dans ce coin là. Ok, c'est cool, hein. Là il y a mes troupes qui sont en train de tuer pas mal d'ennemis. Je pense qu'il faut vraiment les laisser bosser parce que j'imagine qu'ils font leur propre XP. Vache. Il en reste 3, c'est pas mal. Alors, on va prendre ça. Non, les 9 mm, les pistolets, ça sert trop à rien. Des balles pour ma gueule. Kit, c'est toujours utile.
Ah, c'est pareil, vous me demandez de recruter les prisonniers, mais je sais pas, c'est un peu. Je comprends pas trop le truc en fait. J'ai des tentatives, mais pourquoi ça monte, pourquoi ça descend? Peut-être des tentatives journalières, je sais pas. C'est pas du tout. Alors, ici, on va mettre une VA Fighter. VFA Fighter. 4000 balles de level up, c'est une ruine. Donc, c'est quoi cela? Militia SMG Fighter. Okay. Elle est équipée comment? Un casque, un gilet pare-balles. Okay. Attends, je voudrais voir par exemple, elle, elle a combien en armure? 56. Donc on pourrait vraiment leur acheter des gilets bien plus puissants. Des gilets et des casques, hein, bien sûr. Alors, niveau quête, est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Ça reste tout de même très bizarre cette histoire de. J'ai attaqué une faction, je leur ai piqué une ville, je ne suis pas en guerre avec cette faction. Détruire un camp de terroristes, c'est trop tôt. Ce serait cool, mais c'est trop tôt. Là, je risque de perdre toute mon armée, bêtement. Alors, hop. J'ai fait 27 000 balles de bénéf sur la faction. Et l'autre, il est en train de pomper tout le pognon pour se faire une armée, c'est bien. Il s'est recruté une dizaine, une quinzaine de personnes là en 24 heures. On a 3997 habitants, on va attendre le prochain jour. 500 habitants de plus. Là, ils dépensent de la thune, mais je sais pas ce qu'ils en foutent. J'espère qu'il investit dans la ville, mais. En tout cas, il dépense le bétail. Putain! Qu'est-ce qui branle? Ah, c'est ça devient inquiétant, ce qui recrute plus du tout. Est-ce que. Pas l'impression qu'ils fassent des bâtiments. D'accord, donc il a fait une garnison et lui après il va patrouiller avec son armée. Donc il recrute encore en fait. Il recrute encore, mais pas pour l'armée, pour son armée personnelle. Enfin, personnelle. Ok. On va le laisser s'amuser. C'est quoi là-bas? Faut que je surveille, hein. Manifestement, j'ai des patrouilles à moi qui vont se balader maintenant. J'ai combien de thunes, moi? 43 000. Faire un petit camp de looter, ça passera le temps.
Hold your positions. La prochaine chose à faire, ça va être de... Alors, on a deux choses à faire. Il faut qu'on trouve de l'iron pour augmenter notre ville. Après, je sais pas si je vais avoir... Visuel. Je sais pas si je vais avoir la main sur la construction des bâtiments, vu que j'ai donné le poste de maire à... au mec avec un nom imprononçable. Ah merde. Des fois ça veut pas. Allez. Oui. Ah. Ils l'ont tué avant moi. Assassin. Oula, ça commence à s'énerver là. Attention. Je viens de changer la sensibilité de la souris, ça a l'air beaucoup mieux. Pour moi, ça fait plus d'un coup bizarre. Par contre, c'est vachement sensible. Oui. Ok, bon, il reste deux survivants, on sait pas trop où ils sont. Je voulais vérifier si les tonneaux de gasoil explosaient, mais a priori non. Nope. Ça viendra certainement dans une mise à jour un jour. Une mise à jour un jour, comme c'est mignon. Hello? Target destroyed. Ah putain, j'ai cru que c'était de l'iron ça. En fait, l'iron c'est rare. Je prends des balles de magnum parce que je crois que je me suis pris un magnum mais je l'ai toujours pas équipé. Merde. J'ai appuyé sur escape au lieu de les emprisonner. Et on se met le magnum. Il est où? C'est ça? C'est des emplacements spéciaux pour les chargeurs de magnum. Bon, bah attends. Je peux mettre du 357 magnum et du 762. C'est bizarre, non? Bon, j'y connais rien en arme à feu, mais... Vu comme ça de loin, ça me fait un peu bizarre, moi. Y a pas de silencieux, on est censé avoir des silencieux dans le jeu, mais j'en vois pas. Inventaire. Non, c'est ce qui me semblait. Il y a le shoot du 1662 dans un. Je ne comprends pas. Ah oui, j'ai mon AWR que je pourrais donner à quelqu'un aussi.
Ils ont pas de casque. Bon. Sérieux? Non, il nous faut 4 casques. C'est parti, marketplace, armor dealer, et donc pourquoi pas 10 000. Ah, mais... non, je les aime bien, mais 10 000 quoi. Ah. Donc 40 en armure et les casques ils sont à combien? Je les ai pas achetés. Là c'est encore. Eh, ils sont en 41. Je peux pas leur prendre. On va leur prendre celui-là. Et celui-là. Hop. Voilà. Et les gilets pare-balles qu'ils ont équipés, c'est quoi alors? 22 d'armure, ok. J'ai pas mieux, moi. Non, c'est du 22. Alors, attends. On va aller voir les prisonniers. Alors. Tu sais pas pourquoi ça marche la propagande, pourquoi ça marche pas, tu sais rien. J'ai plus que 2 tentatives, mais je pense que c'est des tentatives journalières. Alors, une nouvelle escouade. Hop. On va aller se reposer histoire de. Pas de se reposer. Hop. Hop. Ok, et donc sur ce les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode en espérant qu'il vous ait plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si c'est pas encore fait bien sûr. On se revoit demain pour de nouvelles aventures.